Bonjour, je m'appelle Suzanne Fulton. Bienvenue dans l'île de Lanzarote et à cette séance d'initiation au yoga de l'énergie. Le yoga de l'énergie, ou Ashtanga Yoga, connaît aujourd'hui un énorme succès. Il apporte force, souplesse et endurance. Au cours de cette séance, vous allez découvrir quelques enchaînements combinant mouvement et respiration et vous familiariser avec les postures les plus connues. Le yoga de l'énergie tonifie et modèle la silhouette, stimule les organes internes et revitalise le système nerveux. Il nous aide également à contrôler nos émotions et permet de rester serein et positif en toutes circonstances. Si vous suivez un traitement médical, consultez votre médecin. Évitez également de pratiquer après un repas copieux. Enfin, il est recommandé de visionner d'abord cette séance en entier avant de commencer. Commencez par vous asseoir confortablement, puis allongez-vous en déroulant la colonne vertébrale. Étirez les jambes et laissez votre corps se fondre dans le sol. Relâchez lourdement le bassin au sol afin de ne garder aucune tension dans le bas du dos. Allongez les jambes loin devant vous et laissez les épaules s'enfoncer dans le sol. Laissez également les sourcils s'éloigner l'un de l'autre. Veillez à ne pas contracter les mâchoires et détendez les muscles du visage. Maintenant, commencez à observer votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. À chaque expiration, laissez le corps s'enfoncer un peu plus dans le sol et libérez-vous des tensions. À chaque expiration, détendez-vous un peu plus. Sentez la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et le diaphragme descendre. À l'expiration, le diaphragme se contracte et la cage thoracique se referme. D'abord, les côtes s'ouvrent et le diaphragme descend. Puis le diaphragme se contracte et la cage thoracique se ferme. Sentez l'air pénétrer dans vos poumons. Depuis le bas vers le haut, laissez-les se remplir et se gonfler. Rappelez-vous chaque fois que vous expirez, abandonnez-vous sur le sol et chassez toute tension dans les muscles. Puis tendez les bras au-dessus de la tête, inspirez et étirez le corps tout entier. À l'expiration, relâchez. À nouveau, inspirez, étirez-vous le plus possible. Cette fois, ramenez les orteils vers vous tout en éloignant les talons. Expirez et abandonnez-vous sur le sol. Une fois encore, inspirez, étirez,
Ramenez les orteils vers vous, les talons loin de vous, puis expirez et relâchez en vous abandonnant sur le sol. Puis doucement, ramenez le genou droit sur la poitrine, puis le gauche. Passez les bras autour des genoux et ramenez-les vers la poitrine afin d'allonger le bas du dos au sol. Bercez-vous lentement d'un côté, puis de l'autre, pour masser le bas du dos au sol. Continuez quelques instants sans oublier de respirer. Ne retenez jamais le souffle. Inspirez, pressez les genoux vers la poitrine. Expirez, relâchez légèrement les genoux. À nouveau, inspirez, pressez les genoux vers la poitrine. Expirez, relâchez les genoux. Et bercez-vous encore d'un côté à un autre. Doucement, tournez sur le côté droit du corps. Asseyez-vous en rapprochant les genoux et les pieds. Redressez le bassin en vous appuyant sur la boule des pieds, puis ramenez les talons à terre en les allongeant. Laissez le haut du corps s'étirer vers le sol. Peu importe si vos mains ne touchent pas le sol. Pliez les genoux, puis tendez la jambe droite. À nouveau, pliez les deux genoux, étendez la jambe gauche. Veillez à diriger le sommet du crâne vers le sol, pliez les deux genoux. Redressez-vous en déroulant lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Joignez les mains devant vous, respirez. L'échauffement est terminé. Joignez les mains devant vous. Nous allons commencer par quelques séquences combinant mouvement et respiration. Inspirez, levez les bras au ciel et regardez vos pouces. Expirez, penchez le corps en avant. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez les bras. À nouveau, inspirez, regardez vos pouces, étirez-vous. Étirez un peu plus à l'expiration et ramenez le haut du corps en avant. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez en dirigeant le sommet du crâne vers le sol. Inspirez tout en déroulant la colonne vertébrale. Expirez en baissant les bras. Une fois encore, inspirez, tendez les bras. Expirez, étirez le corps en avant. Inspirez, regardez droit devant. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, étirez le corps tout entier. Penchez-vous vers l'avant. Rappelez-vous, cela n'a pas d'importance si vos mains ne touchent pas le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, relâchez. Joignez les mains devant la poitrine. Rentrez le bas du ventre et allongez le bas du dos. On continue. Inspirez, tenez les bras au-dessus de la tête et joignez les mains. Expirez. Pliez les coudes,
inspirez, étirez-vous vers le haut. Rentrez le ventre, expirez, penchez le haut du corps vers la droite. Inspirez, tendez les bras. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Expirez, penchez le haut du corps vers la gauche. Et à nouveau, inspirez, revenez au centre. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, tendez les bras, joignez les mains. Expirez, penchez le haut du corps vers la droite. Inspirez, revenez, gardez le ventre bien rentré. Expirez, pliez les coudes. Inspirez, allongez les bras. Expirez, penchez le haut du corps vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pliez les coudes. Une dernière fois, inspirez, étirez le corps, rentrez bien le ventre. Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pliez les coudes. À nouveau, inspirez, étirez-vous. Expirez, penchez-vous à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et cette fois, en expirant, ramenez les bras le long du corps, puis roulez les épaules plusieurs fois. Roulez les épaules vers l'arrière, rentrez le ventre, veillez à ce que le dos soit bien droit et détendu. À présent, écartez les pieds d'une cinquantaine de centimètres. Relâchez les épaules, rentrez le ventre. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, ramenez la tête vers le sol. Gardez une respiration régulière et posez les mains au sol en les alignant avec vos pieds. Si vos mains ne touchent pas le sol, ça n'a pas d'importance. Posez-les sur les tibias ou encore sur les cuisses. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. À nouveau, inspirez, regardez devant vous. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Une fois encore, inspirez, regardez au-dessus de vous. Expirez, penchez le haut du corps vers l'avant. Et posez les mains entre vos pieds, ou sur les tibias, ou sur les cuisses. Gardez une respiration régulière. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez encore une fois. Dirigez le sommet de la tête vers le sol. Inspirez, regardez droit devant. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. De cette façon, vous allongez l'arrière des jambes. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, relâchez les épaules. Baissez le menton vers la poitrine. Ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite et sentez l'allongement dans le côté gauche du cou. À nouveau, baissez le menton vers la poitrine, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, le menton vers la poitrine, l'oreille droite vers l'épaule droite. Le menton vers la poitrine. Ramenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Le menton vers la poitrine. Redressez la tête, roulez les épaules à nouveau. Cette fois, croisez les doigts derrière le dos et tout en inspirant, tendez les mains en direction des genoux. Expirez, penchez le haut du corps en avant et dirigez les mains vers le sol. Peu importe jusqu'où descendent vos mains, respirez. Dans le yoga, tout se fait progressivement. Pratiquez régulièrement et vous constaterez que vous irez chaque fois un peu plus loin. On se redresse avec une inspiration. Inspirez, revenez. Expirez en relâchant les épaules. Joignez les mains devant la poitrine. Rapprochez les pieds.
commence avec les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, étendez les bras au-dessus de la tête. Expirez, penchez le haut du corps vers l'avant. Inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière. Expirez et ramenez la jambe gauche le long de la jambe droite. Inspirez, posez le genou et le bassin au sol, puis regardez vers le haut. Expirez, redressez les orteils, ramenez le coccyx vers l'arrière et vers le haut et ajustez vos pieds. Appuyez les mains au sol de façon à bien étirer les bras et regardez en direction de votre nombril. Gardez une respiration régulière. Puis inspirez en ramenant la jambe droite vers l'avant et regardez vers le haut. Expirez, joignez les pieds. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez les bras. Joignez de nouveau les mains, prêt pour l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez le corps en avant. Inspirez, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, joignez les jambes. Inspirez, posez les genoux et le bassin au sol en regardant vers le haut. Expirez, redressez les pieds, dirigez le coccyx vers l'arrière et vers le haut, puis ajustez les pieds. Continuez de respirer et enfoncez les mains dans le sol pour bien allonger les bras. Inspirez, ramenez la jambe gauche en avant, regardez vers le haut. Expirez, joignez les pieds. Inspirez, revenez, tendez les bras. Expirez, joignez les mains devant la poitrine. Prenez quelques instants pour reprendre votre souffle. On recommence. D'abord à droite, ensuite à gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez le corps en avant. Inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière. Expirez, ramenez la jambe gauche le long de la jambe droite. Inspirez, posez les genoux et le bassin au sol, regardez vers le haut. Expirez, dirigez le coccyx vers l'arrière et vers le haut, en ramenant les talons au sol. Appuyez bien les mains au sol pour allonger les bras. Regardez en direction du nombril. Ne bloquez pas la respiration. Inspirez, ramenez la jambe droite en avant. Regardez vers le haut. Expirez, joignez les pieds. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez les bras, puis joignez les mains devant vous. À gauche maintenant. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez le corps en avant. Inspirez, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, joignez les deux jambes. Inspirez, les genoux et le bassin au sol, la tête vers le haut. Expirez, dirigez le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Baissez les talons, poussez sur vos mains et allongez les bras. Continuez de respirer et regardez en direction du nombril. Inspirez et ramenez la jambe gauche en avant. Regardez vers le haut. Expirez, joignez les pieds. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez et joignez les mains devant la poitrine. Rentrez le ventre, allongez le bas du dos et respirez. Relâchez les mains, nous allons faire quelques équilibres à présent. Joignez bien les jambes, dressez-vous sur la boule des pieds. Fixez le regard vers l'avant et vers le bas.
Baissez les talons en les enfonçant bien dans le sol. Écartez les orteils. Maintenant, portez tout le poids du corps sur la jambe droite, en rentrant le ventre. Saisissez le pied gauche et placez-le contre la jambe droite. Soit sur le mollet droit, soit sur l'intérieur de la cuisse. Ramenez les bras au-dessus de la tête, puis joignez les mains devant la poitrine et allongez tout le corps. Fixez le regard vers l'avant et vers le bas. Levez les bras, puis relâchez. Baissez le pied et secouez la jambe droite. Encore une fois, joignez bien les jambes. Préparez la posture. Rentrez le ventre et allongez le bas du dos. Dressez-vous sur la boule des pieds. Baissez les talons en les enfonçant dans le sol. Écartez les orteils. Maintenant, portez tout le poids du corps sur la jambe gauche, en gardant celle-ci bien tendue. Saisissez le pied droit et placez-le à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Ensuite, joignez les mains devant la poitrine et allongez tout le corps en vous étirant le plus possible. C'est la posture de l'arbre. Vous pouvez aussi vous appuyer contre un mur si vous le souhaitez. Étirez une dernière fois, puis relâchez. Baissez le pied et secouez la jambe gauche. Encore une fois, joignez bien les deux jambes. Fixez le regard vers l'avant et vers le bas. Dressez-vous sur la boule des pieds, baissez les talons et enfoncez-les dans le sol. Écartez les orteils. Portez tout le poids du corps dans la jambe droite pour vous ancrer fermement dans le sol. Saisissez le pied gauche et placez-le à l'intérieur de la cuisse droite. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains devant la poitrine et redressez-vous. Vous pouvez rester dans cette position ou vous pouvez chercher à améliorer votre équilibre. Avec la main gauche, saisissez votre avant-bras et allongez tout le corps. Vous pouvez choisir de rester dans cette position ou passer à l'étape suivante. Allongez les bras dans le prolongement des épaules et inclinez le haut du corps en avant. Fixez le regard. Tout le secret d'un bon équilibre réside dans le regard. Restez ferme. Revenez, baissez la jambe, détendez les bras et secouez la jambe droite. De l'autre côté, joignez bien les jambes, rentrez bien le ventre, allongez le bas du dos. Dressez-vous sur la boule des pieds, cette préparation est très importante. Abaissez les talons, enfoncez-les dans le sol et écartez les orteils. Portez le poids du corps sur la jambe gauche, saisissez le pied droit, placez-le à l'intérieur de la cuisse droite. Ramenez les bras au-dessus de la tête, joignez les mains. Étirez-vous. N'oubliez pas de fixer le regard vers l'avant et vers le bas. Avec la main droite, saisissez l'avant-bras gauche et étirez tout le corps. Rappelez-vous, vous pouvez rester ainsi si vous le souhaitez. Ou vous tendez les bras dans le prolongement des épaules. Vous inclinez le haut du corps vers l'avant, fixez le regard. Gardez la jambe gauche bien ferme. Revenez quand vous vous sentez prêt. Baissez la jambe et secouez la jambe gauche. Joignez les mains devant la poitrine et restez ainsi quelques instants. N'oubliez pas de respirer. On continue, écartez les pieds d'une cinquantaine de centimètres. Libérez les bras. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit vers l'extérieur. Replacez le bassin au centre en rentrant bien les abdominaux. Inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, baissez légèrement les bras, puis tendez-les à l'horizontale. Inspirez, pliez le genou droit. Expirez, tendez la jambe droite. Levez le bras gauche, regardez le majeur de la main gauche et continuez de vous étirer. C'est la posture du triangle. Respirez. Inspirez, pliez le genou. Expirez, revenez. À nouveau, inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, relâchez légèrement les bras vers le bas, puis tendez-les à l'horizontale. Sentez leur étirement. Inspirez, pliez le genou droit. Expirez, tendez la jambe droite. Regardez le majeur de la main gauche.
allongez le corps tout entier. Inspirez, pliez le genou. Expirez, revenez au centre. Cette fois, tournez le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur. Rentrez le ventre, gardez le bassin droit. Inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, relâchez légèrement les bras vers le bas. Puis tendez-les à l'horizontale. Inspirez, pliez le genou gauche. Expirez, tendez la jambe gauche. Allongez le bras droit en l'étirant bien vers le haut et regardez le majeur de la main levée. Assurez-vous que vous ne penchez ni vers l'avant ni vers l'arrière. Gardez le corps bien aligné. Inspirez, pliez le genou gauche. Expirez, revenez. À nouveau, levez les bras. Expirez, laissez-les légèrement retomber et tendez-les à l'horizontale. En même temps que vous inspirez, pliez le genou gauche. Expirez, tendez la jambe. Levez le bras droit. Regardez le majeur de la main levée et continuez de vous étirer. Allongez tout le corps. Et inspirez, pliez le genou gauche. Expirez, revenez. À nouveau, tournez le pied gauche à l'intérieur, le pied droit à l'extérieur. Encore une fois, rentrez le ventre, ramenez le bassin droit, allongez le bas du dos. Inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, baissez légèrement les bras, puis tendez-les à l'horizontale. En même temps que vous inspirez, pliez le genou droit. Posez la main droite au sol et la main gauche dans le dos. En expirant, allongez le bras gauche au-dessus de la tête et de nouveau regardez le majeur de la main levée. Pliez davantage la jambe droite et étirez tout le côté du corps vers le bas. Restez quelques instants. Inspirez, revenez. Expirez, tendez les jambes et relâchez les bras. À présent, tournez le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur. Rentrez le ventre, gardez le bassin droit. Inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, baissez légèrement les bras. Inspirez, pliez le genou gauche. Posez la main gauche au sol, la main droite dans le dos. En même temps que vous expirez, tendez le bras au-dessus de la tête. Étirez-le bien et à nouveau regardez le majeur de la main droite. Inspirez, revenez. Expirez, tendez les jambes. Tournez les pieds vers l'avant, le menton en direction de la poitrine. Roulez la colonne vertébrale vers le bas, relâchez le dos. Laissez-le se diriger vers le bas. Là encore, le sommet du crâne se dirige vers le sol. Laissez tout votre corps se détendre et s'allonger. Rappelez-vous, si certains mouvements sont trop difficiles, ne forcez pas, mais travaillez progressivement. Revenez en déroulant la colonne. De nouveau, inspirez, regardez vers le haut. Expirez, ramenez la tête vers le sol et restez ainsi. Avec la main gauche, saisissez le pied droit ou encore l'extérieur de la jambe droite. Tendez le bras droit et tournez vers l'arrière en regardant la main droite. Continuez à vous étirer. Ramenez la main droite vers le sol. Allez maintenant vers le pied gauche. Posez la main droite à l'extérieur du pied gauche et allongez le bras gauche vers le haut. En regardant en direction de la main levée. Rappelez-vous, vous pouvez poser la main sur le tibia ou sur la cuisse. Là où vous vous sentez le plus à l'aise, continuez de regarder la main levée. Ramenez la main gauche au sol. Posez les deux mains sur le sol en les alignant avec les pieds. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez le sommet du crâne vers le sol.
En expirant, déroulez la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Les épaules au-dessus du bassin. Joignez les pieds. Les mains devant la poitrine. Respirez de façon régulière et détendez-vous. Pour la séquence du guerrier, libérez les mains, écartez les jambes à distance d'un mètre environ. Tournez le pied gauche à l'intérieur, le pied droit à l'extérieur. Rentrez le ventre et assurez-vous que le bassin reste bien de face. Inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, baissez légèrement les bras, puis tendez-les en les étirant. En même temps que vous inspirez, pliez le genou droit. Expirez, tournez le buste à droite. Tête, regardez vos pouces. Allongez, étirez le devant du corps. Et appuyez-vous sur le genou plié. Expirez, ramenez les bras sur les côtés. Joignez les mains derrière le dos. Puis inspirez et tournez les mains. Le bout des doigts pointé vers le haut. Expirez, penchez le haut du corps vers l'avant et ramenez la tête vers le pied droit. Restez quelques instants. Sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à garder les mains jointes, saisissez vos coudes. Restez et relâchez le corps dans la posture. Inspirez, pliez le genou avant, c'est-à-dire le genou droit. Expirez, tendez la jambe et revenez au centre. Cette fois, tournez le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur. Encore une fois, rentrez bien le ventre. Gardez le bassin bien de face. Inspirez, levez les bras au-dessus des épaules. Expirez, baissez-les légèrement, puis tendez-les à l'horizontale. En inspirant, pliez le genou gauche. Expirez, tournez le buste à gauche. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Regardez vos pouces. Là encore, sentez l'étirement dans tout le devant du corps et appuyez-vous sur le genou plié. Expirez, ramenez les bras sur les côtés. Les mains jointes dans le dos. Puis inspirez, tournez le bout des doigts vers le haut. Expirez, tendez la jambe gauche. Dirigez la tête vers le pied et continuez à regarder le pied gauche. N'oubliez pas, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les mains jointes, saisissez vos coudes, puis laissez votre corps se détendre dans la posture et sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, revenez, pliez le genou gauche. Expirez, revenez au centre. Une fois encore, baissez le menton vers la poitrine. Roulez la colonne vertébrale vers le bas et restez quelques instants. Saisissez vos coudes pour accroître l'étirement. Laissez le haut du corps descendre vers le sol. Continuez de respirer. Ne bloquez jamais la respiration. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, détendez-vous. Joignez les pieds et ramenez les mains devant la poitrine. Nous allons maintenant faire quelques postures assises. Asseyez-vous tranquillement sur le sol. Installez-vous sur vos fessiers et ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Saisissez les chevilles et commencez à rapprocher le bassin des talons. Une fois que vous êtes assis confortablement, assurez-vous de bien rentrer le ventre
et étirez-vous jusqu'au sommet du crâne. En inspirant, levez légèrement les genoux. Et en expirant, ramenez-les doucement vers le sol. Inspirez, levez les genoux. Expirez, laissez-les retomber vers le sol. Encore une fois, inspirez, levez les genoux. Expirez, laissez descendre les genoux. Étirez-vous jusqu'au sommet du crâne, puis tendez les jambes. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, allongez le buste vers l'avant. Inspirez, revenez, posez les mains derrière les fessiers. Expirez, tendez les pieds, levez le bassin et regardez derrière vous. Restez quelques instants en gardant une respiration régulière. Ramenez le bassin au sol sur une inspiration et tendez les bras au-dessus de la tête. Expirez, allongez le buste vers l'avant. Inspirez, posez les mains derrière vous. Expirez, tendez les pieds, levez le bassin, regardez en arrière, restez quelques instants. Gardez une respiration régulière. Inspirez, ramenez les fessiers au sol, levez les bras, expirez, allongez le buste vers l'avant. Inspirez, posez les mains derrière vous, tendez les pieds, levez le bassin, tout en gardant une respiration régulière. Puis posez le bassin au sol, inspirez, levez les bras, expirez, allongez le buste vers l'avant et restez quelques instants. Continuez à allonger l'arrière des cuisses, fléchissez les pieds et poussez les talons droit devant vous. Laissez le corps se détendre. Posez les deux mains sur le tibia droit pour revenir. Placez le pied droit près du genou gauche. Ramenez le bras droit à l'intérieur du genou droit. Saisissez le genou gauche et tournez le buste vers l'arrière. Essayez de rester droit. Si vous le pouvez, pliez les coudes et saisissez vos mains derrière le dos. Tournez vers l'arrière. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Ramenez le buste vers le centre. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis ramenez la jambe gauche vers vous, de manière à vous asseoir sur vos deux fessiers. Laissez le bassin s'enfoncer dans le sol. Puis ramenez le bout du nez en avant et respirez. Laissez le corps se détendre. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Puis déroulez la colonne. Ramenez la tête droite. Tenez-vous à la jambe droite tandis que vous tendez la jambe gauche. Décroisez la jambe droite, tendez les deux jambes, levez les bras, expirez, ramenez le buste en avant et détendez-vous quelques instants dans la posture. À nouveau, sentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Appuyez les deux mains sur le tibia gauche pour revenir et posez le pied gauche à côté du genou droit. Ramenez le bras gauche à l'intérieur du genou gauche, puis posez la main gauche à l'intérieur du genou droit. Et tournez le buste vers l'arrière. Si vous le pouvez, pliez les coudes. Saisissez vos mains derrière le dos et regardez par-dessus l'épaule droite. Revenez au centre. Cette fois, croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ramenez la jambe droite vers vous. Asseyez-vous sur vos deux fessiers et dirigez le bout du nez vers l'avant. Si la posture vous est trop pénible, croisez simplement les jambes au niveau des chevilles et ramenez le buste vers l'avant. Laissez le corps s'étirer. Puis redressez la tête. Appuyez-vous sur le genou gauche pour tendre la jambe droite. Décroisez la jambe gauche. Tendez les deux jambes. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez le buste en avant.
Cette fois, lorsque vous revenez, ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre et relâchez les genoux vers le sol. Restez ainsi quelques instants. Imaginez que quelqu'un vous tire les oreilles. De cette façon, vous allongez le dos. Vous êtes assis le dos bien droit, le ventre rentré. Passez la main droite à l'intérieur de la jambe droite et saisissez le bord extérieur de votre pied. Passez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et saisissez le bord extérieur de votre pied. Inspirez en tendant la jambe sur le côté. Expirez en ramenant la jambe et en joignant les pieds. De l'autre côté, inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. À nouveau, inspirez, tendez la jambe à droite. Pensez à vous redresser, rentrez le ventre, allongez le buste. Expirez, ramenez le pied au sol. De l'autre côté, inspirez, tendez bien la jambe. Expirez, ramenez le pied contre l'autre. Roulez sur vos fessiers, rentrez le ventre. Lentement, inspirez, tendez les jambes de chaque côté. Étirez tout le corps. Rentrez bien le ventre et restez dans la posture. Encore une fois, fixez le regard vers l'avant et vers le bas. Cela vous aidera à garder l'équilibre. Si vous le pouvez, agitez légèrement les jambes et les bras, tels les ailes d'un papillon. Gardez le regard fixé. Ce sera plus facile. Lorsque vous vous sentez prêt à revenir, pliez les genoux, joignez les plantes de pied et asseyez-vous le dos bien droit. Nous allons maintenant aborder quelques postures sur les genoux. Rassemblez les genoux, puis installez-vous à quatre pattes. Veillez à ce que le bassin soit bien au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des mains. Nous allons travailler la posture du chat. Expirez, allez regarder entre vos cuisses. Puis inspirez, en creusant le milieu du dos vers le sol. Levez la tête et le coccyx. Puis à nouveau expirez et venez regarder entre vos cuisses. Assurez-vous de bien arrondir le dos. Ensuite inspirez, creusez le milieu du dos vers le sol, levez la tête et le coccyx. À nouveau expirez, regardez entre vos cuisses. Inspirez, levez la tête et le coccyx. Sans vous déplacer, allez poser le bassin sur les talons. Ramenez les bras de chaque côté du corps, posez le front au sol et détendez-vous quelques instants. Ceci est le moyen le plus rapide de retrouver une respiration normale et de laisser le corps se relâcher. Revenez dans la posture du chat. Nous allons maintenant passer à la posture du chien. Les mains sont au-dessous des épaules. Le dos est bien droit et plat. Le ventre est complètement rentré. Appuyez les orteils au sol et déplacez le poids du corps en ramenant le bassin vers le haut et vers l'arrière. Puis tendez les jambes, enfoncez les mains dans le sol pour allonger les bras et restez ainsi quelques instants. Cherchez à poser les talons au sol. Concentrez-vous d'abord sur le talon droit, puis changez et concentrez-vous sur le talon gauche. Allongez les jambes, concentrez-vous sur le talon droit, puis sur le talon gauche. À présent, cherchez à poser les deux talons au sol. Poussez sur vos mains, enfoncez-les dans le sol de manière à bien allonger les bras. Pour revenir, redressez-vous sur les orteils, pliez les genoux. Posez-les au sol et installez-vous dans la posture de l'enfant, c'est-à-dire les bras le long du corps et le front au sol.
Nous allons refaire la posture du chien, mais on commence toujours par la posture du chat. Donc les mains au-dessous des épaules, les genoux au-dessous du bassin. Appuyez les orteils au sol et ramenez le bassin vers le haut et vers l'arrière en dirigeant les talons vers le sol. À présent, c'est à vous de choisir. Vous restez dans la posture ou vous allez plus loin dans la posture du chien. Si vous décidez d'avancer, posez le pied droit sur son côté extérieur. Placez ensuite le pied gauche sur le pied droit. Portez tout le poids du corps sur le bras droit et allongez le côté gauche. Étirez bien le bras gauche, c'est une posture très puissante. Continuez d'allonger tout le côté gauche du corps. Puis ramenez la main gauche au sol, revenez dans la posture du chien. Dirigez les talons vers le sol. On passe maintenant à l'autre côté. Posez le pied gauche sur son côté extérieur. Placez ensuite le pied droit sur le gauche et étirez-vous. Tendez le bras droit, poussez le sol de votre bras gauche. Encore une fois, cette posture est très puissante. Ramenez la main droite au sol, revenez dans la posture du chien et dirigez les talons vers le sol. Puis redressez-vous sur les orteils. Pliez les genoux, allez poser les fessiers sur les talons et détendez-vous quelques instants dans la posture de l'enfant. Il est temps à présent de passer à la relaxation. Doucement, revenez. Asseyez-vous sur vos fessiers, puis lentement déroulez la colonne vertébrale sur le sol, en gardant les genoux souples. Placez les bras en croix et enfoncez bien le bas du dos dans le sol. Inspirez. Expirez. Laissez les genoux retomber sur la droite. Les bras doivent être bien tendus. Sentez leur allongement sur le sol. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Expirez, laissez-les retomber sur la gauche. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Expirez, genoux à droite. Encore une fois, inspirez, genou au centre et expirez, genou à gauche. Au centre, ramenez le genou droit sur la poitrine, puis le gauche. À nouveau, pressez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Relâchez. Expirez, pressez les genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez les genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez les genoux. Et en expirant, pressez les genoux vers la poitrine. Allongeant ainsi le bas du dos au sol. Doucement, bercez-vous d'un côté puis de l'autre. Ensuite, lentement, laissez glisser la jambe droite le long du sol. Puis la gauche. Fermez les yeux et observez votre respiration. Inspirez. Laissez les poumons se remplir depuis le bas vers le haut. Expirez.
rappelez-vous, la cage thoracique s'ouvre. Le diaphragme descend. Puis le diaphragme se contracte et les côtes se referment. Vous inspirez par le nez. L'air passe ensuite dans la trachée, puis dans les poumons, et vous expirez. Assurez-vous que vous emplissez les poumons depuis le bas vers le haut et commencez à ralentir le rythme de votre respiration de façon à contrôler votre souffle. Vous inspirez en emplissant les poumons, puis vous expirez. Veillez à ne contracter aucun muscle. À chaque expiration, laissez-vous fondre un peu plus dans le sol. Expirez. Relâchez. À présent, sur une inspiration, ramenez les mains au-dessus de la tête. Bâillez, étirez-vous le plus possible. Étirez tout le corps. Bâillez encore une fois. Détendez le visage. Puis ramenez les genoux sur la poitrine. Et à nouveau, bercez-vous d'un côté à un autre. Tournez-vous sur le côté droit du corps. Et tout doucement, à votre rythme, venez vous asseoir sur vos fessiers. Roulez les épaules vers l'arrière. Relâchez-les. Inspirez, levez les bras. Étirez-les. Expirez, ramenez les bras sur les côtés. Encore une fois, inspirez, tendez les bras, étirez-les le plus possible. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, tendez les bras, étirez-les le plus possible. Expirez, relâchez. Si vous n'avez pas le temps de faire la séance dans son intégralité, je vous propose à présent une courte séquence à pratiquer chaque jour. On commence par joindre les mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, regardez vos pouces. Expirez, ramenez le buste en avant et vers le sol. Inspirez, levez la tête et les épaules. Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, sautez et tendez les jambes en arrière. Inspirez, ramenez le bassin vers le sol. Regardez vers le haut. Et expirez. Venez vous placer dans la posture du chien. Ajustez les pieds. Au besoin, avancez légèrement les pieds. Appuyez les mains au sol et regardez votre nombril. Surtout, continuez à respirer. Gardez une respiration régulière. Inspirez, levez la jambe droite en prenant soin de garder le bassin parallèle au sol. Expirez, baissez la jambe droite. Inspirez, levez la jambe gauche. À nouveau, gardez le bassin parallèle au sol. Expirez, baissez la jambe gauche. Encore une fois à droite. Inspirez, levez la jambe droite en appuyant sur vos mains. Expirez, baissez la jambe. À gauche maintenant. Inspirez, levez la jambe. Expirez, baissez la jambe. Restez ainsi quelques instants. Inspirez et lancez la jambe droite en avant. Regardez au-dessus de vous. Expirez, joignez les jambes. Inspirez, revenez, expirez, relâchez les bras. Joignez à nouveau les mains devant la poitrine avant d'aborder l'autre côté. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez le buste en avant et vers le sol. Inspirez, levez la tête et les épaules.
Expirez, dirigez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, sautez, tendez les jambes en arrière. Inspirez, ramenez le bassin vers le sol en regardant vers le haut. Expirez, venez vous placer dans la posture du chien. Ajustez les pieds. N'oubliez pas d'appuyer les mains au sol pour bien étirer les bras. Continuez de respirer et regardez votre nombril. Inspirez, levez la jambe gauche en gardant le bassin parallèle au sol. Expirez, baissez la jambe gauche. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, baissez la jambe droite. Encore une fois à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, baissez la jambe. À droite maintenant. Inspirez, levez la jambe. Expirez, baissez. À nouveau, appuyez bien les mains au sol. Inspirez, laissez la jambe gauche en avant. Regardez au-dessus de vous. Expirez, joignez les pieds. Inspirez, levez les bras. Expirez, joignez les mains devant la poitrine. Gardez une respiration régulière et détendez-vous. J'espère que cette séance de yoga vous a plu et qu'elle vous aidera. N'oubliez pas, on n'a jamais qu'un seul corps, alors prenez-en soin.